Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Smash Bros. Smash. Ah, ça va débloquer un truc, alors on va aller là-haut en premier. Giganaut. Enfin, allons sur ça. Tu ressens qu'il est nul pour les attaquer contre les attaques électriques. Il a un malus. C'est un esprit malus. Bah oui. Wouah. Wouah. Bah tu me le tires pas là. Oh cool. Pourquoi il me tire pas dessus? J'avais un badge Franklin juste pour l'occasion en plus. N'importe quoi, Juggernaut. Je savais. Ah, moi je savais, c'est bon. Je le fais pas. Changement d'attitude. Je sais que tu dis que ça débloque, mais il y a un bouton aussi en bas. Ah, ben. Quoi? Mais non, là tu peux monter après. Ah oui, d'accord, ça va tout seul. Sorcier aubergé. Bon bah finalement, ça débloque un autre truc aussi. On peut pas aller ailleurs. Donc tu peux aller à droite si tu veux. Ah mais oui, ok, Camille. Camille Koopa. J'y ai pensé, je me suis dit je vais pas la faire parce qu'à chaque fois c'est moi qui fais les mauvaises blagues. Mais bon, visiblement... J'ai été influencé. Si tu les fais un peu, ça va. Comme ça... Je me sens un peu moins seul. Merci, c'est gentil. Eh, c'est moi qui devais grab. Jamais. Jamais je n'autoriserai les grabs, a dit Camille. Pas à la grappe. On m'a encore donné un esprit nul contre un personnage fort. La reine Bubblord, qu'est-ce que tu racontes? Mais regarde, père. Mais je voulais pas faire bout de feu, je voulais faire lance-flamme. Vous croyez que ma vie me permet de faire bout de feu? Ah bah carrément, oui. Je vais mourir bêtement avant de me suicider. Je vais se dire qu'est-ce qui s'est passé. Je me demandais si tu pouvais te suicider ou si te laisser quand même à 0-1. Ah mais oui, d'accord. Tu vois, ils ont encore menti. Coup de genou. Elle donne des coups de genou au moins, shake. J'ai des oreilles de lapin, je peux pas m'empêcher de sauter comme ça. Ah, l'adversaire a tendance à sauter. Je vois. Tu es ce genre d'adversaire. Le pire, c'est que c'est juste un saut, quoi. Genre, oh, voilà, c'est bon, j'ai fait un saut, c'est bon. Waouh, trop bien. Mais... Combat team de Street Fighter. Pourquoi tu t'es retourné, Dracofeu? Écoute, elle a fait un OB sur elle-même, hein, je veux dire, incroyable. Oh mon dieu, tu l'as fait. Tu l'as fait, non mais là, cet enchaînement, tu te rends compte que si elle avait esquivé... Je serais morte. C'est pas grave, il fallait tenter. Apprendre des talents d'aventure. Les talents d'aventure peuvent être appris et oubliés à l'infini. Trop bien. À l'infini. Incroyable, vous avez débloqué un nouvel endroit. Ah, d'accord. Et oui, c'était important. Maintenant, on va pouvoir reprendre notre petit train. On peut même l'appeler. Ah, mais c'est trop bien. Mouissère. Mais je pense qu'on va être bloqué après. Mais non, on sera jamais bloqué. Parce que le roi Bubline. Bon, vous me donnez-moi un truc bon. Oh, ouais, T-Rex, c'est incroyable. Allez, on prend T-Rex. Il est trop bien. Il est gros. Allez, quand il y a de la mousseur dans ton bain, ça fait plus de mousse. Ah non, pas la bombe! C'est bon, il l'a jeté dans le vide. Ah, mais tu t'es moqué de moi. Ah ouais, tiens, bombe. Bombe de... Tu sais ce qui est mieux que la mousse dans le bain? Les bains. Non, le pain tartiné avec du beurre. Ah bah, d'accord, oui. Ah bah, si on part sur ça, il y a les biscuits, c'est sympa. Des biscuits? Ah oui, les biscuits. Biscuits, moi j'aime bien. Les fameux. Aïe 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 aïe, je me suis fait avoir comme un Pikachu, n'importe quoi. C'est à cause des biscuits. Les biscuits. Non, les biscuits, c'est bon, j'aime bien les biscuits. Surtout les biscuits. Faites des dons pour qu'on ait des biscuits, s'il vous plaît. Ah là là, je fais que mourir. Tiens, mais pourquoi tu prends pas les coups?
Pikachu le lagueur. Mais tu peux pas, c'est du mode solo. Attends, mais je vais même pas fait ça. Tiens, mais mange un peu des biscuits, bon sang. La sirène s'en a qu'au feu. Écoute ta tristesse. Qui peut mourir? Ah lui, il y a quand même. Incroyable. Bravo. Incroyable. Mais c'était un esprit une étoile quoi en plus. Mais n'importe quoi ce qui vient de se passer. Vous avez vu ça? Ça cause des biscuits, j'en ai pas eu assez aujourd'hui. Non, ça fait longtemps que j'en ai pas eu des biscuits. Arrête de dire des biscuits, les gens savent pas de quoi tu parles. C'est pas grave. C'est toi qui as commencé en disant qu'est-ce qui est meilleur qu'un mug de la mousse dans un bain. Ah bah Mordio, le voilà. C'est Rita mais en version dinosaure. Bah écoute, tu vois pas un peu. Oh, il y a tellement de dragons rouges. Non. Mais tu l'as déjà eu cet esprit. Oui, j'ai déjà eu. Je me souviens de ce combat. Fossil Fighter Frontier. Allez hop, tu l'as déterré. Incroyable, c'est Mordio. Regardez qui voilà, qui arrive. Un autre dinosaure, mais c'est incroyable. Oh bah dis donc. Je pensais pas l'envoyer aussi. Mais... Et hop, on n'aura même pas vu le dernier. Il a pris trop de temps à arriver, c'est pour ça. Et puis tu l'as battu avec un gyroïde quoi. Ah mais les gyroïdes, il y a même plus de, il y a même plus de respect. Non, quoi. Mais il y a c'est même plus, une technique il y a que m'a enseigné Marie. Même plus de respect. Mais non. Kira. Ben, moi je vais vous apprendre l'art de l'épée. Oh. Attention le sol électrique. Pourquoi ce... Ah bah ici oui, c'est à cause. Parce que Yuma il utilise la Ijinto. Regardez, il va nous montrer qui est un bon père. Allez. Ah mais tout est électrifié là par contre. Hein. Yuma on rigole pas. Hein. Ah non c'est un maître. Ouais, mais est-ce que Ryoma arrive à affronter le feu? Il semble pas. Par contre, il sait bien esquiver les bananes. On connaît pas les bananes, c'est pour ça. Est-ce que nous, en Ushido, on peut vraiment manger des bananes? Je ne sais pas. Tu vas trop vite. Et hop, ensuite on fait le coup comme ça là, et ensuite on fait ah, le combo, il arrive. Ah, il préfère partir. Attends, il a. Ah non, j'ai cru qu'il avait jeté la fleur. C'est Rinka qui m'a appris. Il est en train de dire. Tiens. Eh oui, tu l'attendais pas, hein, mais. Enfin, tu t'y attendais pas là, Léoma. Mais oui, mais le combo il arrive quand même. Il a juste tardé à arriver. Quoi, c'est un combo en un coup? C'est un combo. C'est bon. Le bar de combo a écrit 1. C'est fabuleux, c'est fantastique. Alors qu'est-ce que ça nous apprend à un Lioma? Ça nous apprend à monter l'attaque et ça baisse la défense, je crois. Et oui, exactement. Comme l'ont prédit les tablettes de pierre. J'aime bien comment c'est Lioma, le maître. Tuto pour les maîtres. Alors que c'est jamais de la vie le premier que tu vas trouver. Genre, impossible. Mais pas Ushido. Oui. C'est genre... T'as pas commencé à Ushido. T'as pas commencé à Ushido, c'est dommage. Et voici le Locotono. Ah, avec la musique la meilleure. Le Locotono. Regarde, honnêtement, là, t'entends cette musique, ça te donne pas les vibes de jouer à Mario Kart Double Dash. Non, pas vraiment, ça me fait juste penser qu'il n'y a pas eu Harmonie dans l'espace. C'est pas grave, il y a pas Alfonso, il y a tout le monde qui a la place. Mais attendez, Locotono là, mais lui il peut pas entrer dans Locotono, moi je sais, j'ai joué au jeu. Alors il ment. Ah mais non, lui c'est un Locotono, bah oui. Oh non, j'ai raté une billboule. Pas grave, tu l'as eu avec tes superbes ailes. Merci. Attaque rapide.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Gutsman. Il va faire que les projections, ouais. Allez, on va faire un combat de projection, Gutsman, t'es prêt? C'est pas des projections, ça, hein? Ah bah si. J'ai projeté hein un truc. Hein? Allez, on fait les projections, on a dit. Combat de projection. Mais c'est pas une projection, ça. Tu triches, Gutsman, tu triches. Et ça, c'est pas bien. Mais c'est pas une projection. On a dit, on fait combat de projection, Gutsman. On fait combat de projection. Et donc, voilà. Espèce de tricheur. N'importe quoi. Mais toi aussi, t'as triché, tu as utilisé des tonneaux. Ouais, mais c'est pas... J'ai jeté les tonneaux, donc projection. Ben, il t'a projeté des trucs. Il t'a projeté. Non, 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 moi je dis il triche là. Moi je suis pas d'accord là. Bon, c'est pas grave, on est arrivé. On est arrivé à Zébien. Ah, équipe de Sabustan. Incroyable. C'est bien de nous féliciter comme ça après avoir fait le show. C'est bien, t'as réussi à arriver jusque là. Félicitations. Oh non, c'est une équipe de Samus sombre, que va-t-il se passer? Bout de feu! Bout de feu! Bout de feu! Bout de feu! Je vois. C'est donc comme ça que ça marche. Comme ça que... Ah, c'est bien ce que tu fais, franchement. C'était pas bien, ça, par contre. Je pensais pas que tu allais partir aussi loin. Il est petit, c'était rare, en fait. C'est pour ça qu'elle meurt vite quand je fais... Oui, oui. Comme je disais, bout de feu. N'importe quoi. Ce terrain, quand j'ai découvert qu'on pouvait le casser, c'était mon réflexe. C'était mon réflexe. De tout casser. Je sais il pas. Il fallait tout casser. Et avec mon frère, on se battait pas, du coup, on voulait tout casser. Je sais pas c'est quoi cette bêtise qu'on a quand on débute dans ce match en mode ah ouais, on peut casser le terrain. Trop bien, je fais ça. Du coup, on était là. Mais j'aimais bien les terrains trop de. Bien, trop bien. Ah non, attention. J'aimais bien les terrains de Samus en général parce que il y avait le feu qui montait et moi ça me faisait rigoler. Je jetais les ennemis dans le feu. En ce moment, je trouve son cas, je faisais que ça. Je fais que le niveau Zébès. Non, c'est pas vrai, il y avait le niveau. Il y avait mais je passais beaucoup de temps sur les niveaux de Samus aussi, effectivement. Parce qu'il faisait partie de mes terrains préférés. Après, c'est vrai qu'il y a le Brinstar Death, là, la profondeur de Brinstar, c'est dur aussi, là, ce niveau-là. J'y arrivais pas quand j'étais plus jeune. C'était dur. Comment on se bat là-bas? D'ailleurs, aujourd'hui. Attends, pourquoi? Comment on va là-bas? Ah non, j'ai oublié de le prendre. Il y a un truc qu'on a pas. Mais oui, là, il y avait le sorcier aubergine. Non, mais t'es pas obligé de faire le tour. Mais non, pars pas, Alfonso. Mais c'est bon, c'est bon. Alors, le sorcier aubergine. Ah, mais quand je l'ai vu, tout de suite, je suis parti. Je voulais pas devenir une aubergine. Capitaine Caroul, votre défense est réduite. Votre attaque est réduite. C'est un sorcier aubergine. Ah oui, pite maléfique. Après, tu peux te transformer en aubergine. Faut faire attention de pas finir sur le grill. Ah, je mangeais brochette, c'était délicieux. On en dira des nouvelles. Oh, du pain. Pain. Oh, du... Mais le pain. Mais il s'est jeté en bas. Mais non, mais on dirait qu'il a même pas essayé. On dirait qu'il a appuyé sur le stick bas pour aller en bas. Genre, non, Draco ne va pas manger le pain. Il est rassis. Il tombera malade, Draco Feu, si tu continues. Bien joué, vous avez débloqué les sphères de talent. Vous êtes encore plus talentueux qu'avant. Et ça, c'est bon. Bon, alors on a détruit un rocher. Et maintenant, donc on affronte Médéus. Je suis fatigué. Je sais pas pourquoi je dis ça. Genre, il y a une tête à dire. Ouais, j'ai l'air fatigué. Ah oui, d'accord. Ok, ouais, non, mais d'accord, il est pas fatigué. Oui, je suis tellement fatigué. Je me suis transformé en Ridley, quoi. Vous vous rendez compte? Ah bah, dis donc, il aime pas trop le feu, hein, quand même. Ah, mais Ridley, il a un problème. Hein. Je crois que l'IA de Ridley a un problème de manière générale. Hein. À faire que des OB comme ça, là, de manière random. Ah, il a grandi. Oh non, je peux plus le grab. Je vous l'avais dit que j'étais petit. Oh, tu fais bout de feu, tu peux pas perdre de vie. Ah, mince. Mais j'appuie sur les sauts. Ah, mais oui, mais tu utilises Cresselia, la meilleure. Non, mais Cresselia, elle fait que se suicider dans le feu tout le temps. Alors qu'elle brûle. Pourquoi? Elle va dans le feu. Sérieux, c'est pas parce qu'on peut flotter qu'il faut absolument aller au-dessus de la lave. Elle a corrompu ton esprit, c'est incroyable. Elle a corrompu Dracofeu. Tu vois, avant de jouer à Donjon Mystère, je trouvais Cresselia très cool. Cresselia est trop mignonne, ce Pokémon lune là. Je veux bien jouer avec et tout. Et puis ensuite, t'as vu. Et après, j'ai joué à Donjon Mystère et c'était. Tu t'as fait. Oh, c'est. Bof. Je déteste Cresselia.
Elle est impressionnante, haine pour Cressida. C'est pas une haine, c'est plus un traumatisme, je pense. Maintenant, quand tu vois des Cressida, tu as tout de suite... tout de suite l'imagination qui revient, c'est ça? Ah oui, mais tout me vient en tête. Oh là là, il était fatigué, ce vieux papy. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Dégage, le sol brûlant réduit. T'en peux plus, il en peut plus, quoi. N'importe quoi, vous avez tué papy. Ça devait arriver. Il a pas honte de tuer le pauvre papy. Il a rien demandé. Tout ce qu'il voulait, lui, c'était se transformer en dragon géant. Ah là 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 là, on continue de monter, c'est incroyable. Squawks. Voilà. Faut me mettre la bonne force. Pas 2000 de pouvoir. Mais 2000, c'est pour que, comme ça, tu aies du mal. Moi, je veux pas avoir du mal. Je vais détruire Squawks. Et son chien de compagnie. Oh non, pas ce terrain. Oh non, pas ce terrain. Oh cool, un trésor. Ah, il faut le casser. Ah, trop bien. Qui veut une banane? T'as jeté une assiette là. Ah, jeté une assiette. Parce que c'est quoi que si j'ai des assiettes? Non, je voulais pas faire ça. Oh, trop bien, qu'est-ce qu'on a gagné? Non mais ce terrain, il est agréable quand il y a que deux personnes. Mais il est dangereux. Il est terrible ce terrain, oui. Parce qu'à partir du moment où t'as 100%, c'est fini. À partir du moment où t'as 100%, ben oui, voilà. C'est le moment où tu vas te balader, du coup. En mode, bon. Je me bats plus, hein, désolé. Darouk. Sol Gestal est en feu. Est-ce que tu penses qu'il va utiliser une masse? Bah ouais, il avait un marteau minerai tout à l'heure. Hein. Il a la même, là. Ça va, dresseuse de Pokémon? Tu t'en sors bien? Ça va, elle gère. Pas de problème. C'est un combat de PV. Alors, ton attaque préférée. Chacun son propre combo. Toi, c'est bout de feu jeté dans le vide, et moi, c'est épée laser. Mais non, t'aurais pu dire un truc où tu te jettes dans le vide, toi aussi, là, genre. Ah moi, c'est esquive dans les airs, hop. Après, mort. T'as vu là la super armure, il n'a pas bronché, incroyable. Ah mais t'as pas beaucoup de montants, t'as un 2 PV, enfin, voilà. Daruk, il a plus de. Ah, regarde, tu peux faire le combo. Attention, il va donner les coups de poing. Il va la donner les coups de poing, incroyable, Daruk et ses coups de poing. Laisse-moi prendre l'épée. Ah bah ok, moi je fais le combo aussi. Bon, j'ai un peu raté. Attends. Jette l'épée. Plus tard, ça va le toucher. Eh oui, après, il décollera. Et voilà. Tu sais, Link, ce qui m'a tué, c'est pas Ganon. Un dragon avec son... Il n'existe pas Ganon dans leur époque. Il n'existe pas Ganon. Oh. Ah, le fameux... Attends, désolé, mais il faut changer le personnage. Il faut changer le personnage. On ne peut pas rester... On ne peut pas rester... Là-haut. Ah non, mais... C'est sûr. Allez, on le laisse normal, parce que... C'est obligé. Ouais, tant pis, c'est bon. Incroyable. Nous y voilà. Il est vert. Il est vert. James. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, J. J. Bah, c'est Papa James. Papa James. Que fais-tu là? Comment t'as pu appuyer sur J en écrivant Papa dans Smash? C'est la question que tout le monde se pose. Elle n'est pas. On peut pas répondre à cette question. Mon fils, on ne peut pas répondre à cette question. Qu'est-ce que J en fin de compte? On ne sait pas. Plein de gens écrivent J à la fin de leur message sans faire exprès. En majuscule, s'il te plaît. Moi, je l'ai raté quand même. Hein. Mais même moi, j'ai retrouvé une fanfic que j'ai écrit quand j'étais petite et il y a des J majuscules à la fin des phrases. Ça veut dire quoi, J majuscule? Là, c'est un J minuscule, c'est pas pareil. Ah, James, papa, tu peux pas devenir plus fort comme ça.
Mais non, mais ce combat me fait pleurer. Les retrouvailles, père et fils. Mais non, papa. T'es en train de me dégommer. Mais va-t'en pas. Va-t'en pas. Ah, le va-t'en pas. Ah, ça a marché. Oui, enfin, c'est méchant quand même. C'est ton père, Fox. Tu l'as tué en disant à ton collègue, tu raides dessus, s'il vous plaît. Ah, c'est beau. On aura retrouvé le père de Fox pendant les... Pendant les épreuves. Pendant notre quête. Regarde, c'est peut-être le père de Falco là-dedans. Ah ouais. Ah bah oui, bah c'est peut-être le père de Falco, on ne sait pas. On va aller voir Volcanion. Volcanion qui met beaucoup de... Oh non, elle est là. Vapeur. Elle est là. Elle est là. Thème de Lysandre. Fabuleux, fantastique. Fantastique, fabuleux, magnifique. On l'attendait avec impatience. Ah ouais, je l'ai vu, lui. Je sais pas si je l'ai eu, mais je l'ai vu, lui. Ah bah oui, mais du coup, avec Fox, il est facile, lui. Enfin, je sais pas si à quel point il atteint loin, le tir à pistolet. Ouais, si, ça va loin. Hein. Genre, tu peux l'avoir de tirer sur ta plateforme, mais c'est bon, tu gagnes, c'est ça. Non, faut pas jeter dans les pics. J. Non mais ce J il est maudit, c'est tout quoi. Je sais pas si dans les autres langues ça marche aussi, mais... A voir. Pourquoi J? Oh. Oh là 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 là. Cet achèvement. Mais non, il est pas mort. Ah si. J'ai eu peur. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était intense. C'était intense, oui, mais c'était grâce à l'équipe Star Fox. Mais Fox, c'est un gros tricheur, il fait rien tout seul. Hein. Ah, c'est pas fini. Ah, il y a un personnage. On peut aller en bas. Ah, mais c'est pas fini. Oh. C'est jamais fini. Mais oui. Metroid. Le Metroid. Ah, mais attends, il faut aller le chercher avec. Ah, mais d'accord, c'est un Ridley. C'est un mini Ridley quand même, j'espère. Okay. C'est un gros Ridley. Ah, mais il y a le bébé Metroid, il arrive! Finalement, c'est lui! C'est ce baby. Oh non! Ah, tu me voleras pas mon Metroid cette fois-ci. Okay. Il te fait un câlin. Ah. Tu me voleras pas mon Metroid. Voilà. Bravo! Énervé ça, plus. En plus, il guérit après le chaos. Bah oui, il est gentil, le bébé Metroid. Bien, je dois vous annoncer que c'est la fin de cette vidéo et on découvrira dans la prochaine partie qui est le personnage à débloquer. Incroyable. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine partie. Au revoir tout le monde. Bye bye.